aujourd'hui, on va faire un crash test. Vous voyez, c'est tout fermé. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai été au magasin Action. Alors, j'ai trouvé ce masque à base d'argile et, tenez-vous bien, à base de l'huile de cannabis. Alors, je me suis dit, eh, mais je vais le prendre, je vais l'essayer. Mais ça fait quoi? Ça fait 3 jours que je devais le faire. Je ne l'ai pas fait parce que je me dis, je vais en profiter, je vais le faire avec vous. Je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, j'ai l'ouvert là. Tac. Voilà, j'ai l'ouvert là avec vous. Et je vais faire le masque sur mon visage et on va constater le résultat tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur l'emballage? Alors, masque facial à l'argile et à l'huile de cannabis. L'application, il faut l'étaler en couches épaisses et uniformes sur le visage et attendre 10 minutes avant de l'enlever et bien entendu assure un visage préalablement nettoyé. Moi, c'est ce que j'ai fait, mon visage est nettoyé. Alors, faut savoir que j'ai acheté ça, pour vous dire un ordre de prix, je crois que ça m'a même pas coûté 1 euro. Même pas 1 euro. Masque facial à l'huile de cannabis, à l'argile et à l'huile de cannabis. Voilà, alors là, je vais le laisser reposer 10 minutes. Et après, je reviens pour vous montrer. Alors, sous les yeux, là, j'en ai mis trop. C'est trop près. Je vais l'enlever. Et puis après, je vais laisser reposer. Alors, voilà, voilou. 10 minutes après, ce que ça donne, ça ne me pique pas la peau du visage. C'est comme un masque normal. J'ai aucun ressenti. Aucun ressenti, aucun mal-être, ça va, voilà. Je me sens bien. Et là, je vais rincer le masque. Voilà, pour moi, c'est un masque à utiliser. Je ne sais pas d'ici demain matin, quand je vais me réveiller, ce que ça va donner sur moi. Mais voilà. Ça va très bien. Et là, je vais rincer mon visage. Voilà mon visage après avoir enlevé le masque. C'est hydraté, c'est repulpé, c'est frais. Ça m'apporte une sensation de fraîcheur, comme si j'avais mis de la menthe dans le masque.